OK. Donc, ben, bonjour, mon nom c'est Monique Gagnon, je suis technicienne en administration. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous faites dans l'école? Moi, ce que je fais, je m'occupe de tout ce qui est en partie monétaire, c'est-à-dire les budgets, les achats, tous les achats de l'école, ça passe par moi, les paiements de factures, les dépôts de tout l'argent qui rentre. Gère l'argent, dans le fond. Gère l'argent. Bon. En plus de ça, je m'occupe des frais scolaires. Donc, c'est moi qui crée, suite à la demande des profs, ce qu'ils veulent que chaque matière ait comme matériel, ouais. Soit un cahier d'exercice, un manuel, des frais de photocopie, les sorties. Alors, je crée l'état de compte, la facture pour chaque ouais. élève et je récupère les sous. Puis, je m'occupe aussi à la rentrée scolaire, là, tu sais, de l'opération qui se passe quand vous venez chercher vos manuels, ouais, vos ouais. cahiers d'exercice, ainsi que les paiements. Puis, quand un élève perd son manuel ou veut avoir un autre cahier d'exercice ou un agenda, c'est par moi qui passe pour avoir le cahier puis pour faire le paiement aussi. C'est bon. Donc, c'est pas mal tous mes dossiers. C'est pas mal ça. Ensuite, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce travail? C'est des chiffres, hein? Puis moi, ma matière à l'école, c'est les mathématiques. Ouais. 100 000 à l'heure, c'est ça que j'aimais depuis que je suis tout petite, que je m'en allais à l'université étudier. Au départ, c'était comptable agréé que je voulais être. Ouais. Sans savoir, c'était quoi? Sans trop savoir les tâches exactes, je savais que c'était des chiffres, donc je m'en allais là. Puis à l'université, ben j'ai un petit peu bifurqué parce que CA, là, c'est dans un bureau à faire un petit dossier. Alors ici, il y a beaucoup plus d'interactions avec les gens. Parce qu'en fait, j'ai affaire à tout le monde. Ouais, que ce soit les directions, que ce soit le personnel ici, que ce soit les élèves, les parents des élèves. Donc, il y a beaucoup les enseignants. Donc, il y a beaucoup de mouvements, là. Ouais. C'est ça. Parfait. Ensuite, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce travail-là? Ben, c'est certain qu'avoir l'esprit mathématique, c'est important ouais. parce qu'il faut comprendre un petit peu les maths, là, c'est spécial. Ça demande le débit, les entrées d'argent, les paiements de factures. Il faut que ça balance, faut être précis dans notre chose. Et mon poste particulièrement, on est tout le temps dérangé. Que ce soit, par exemple, un enseignant qui vient chercher, ça peut aller d'un enseignant qui vient chercher des marqueurs à tableau blanc, parce que j'ai le matériel aussi, ou un élève qui a perdu quelque chose, ou un parent qui m'appelle. J'ai tout le temps une interaction. Donc, ce qui veut dire que si je m'installe puis je commence un travail, ben je peux être interrompu 15 fois dans ma journée. Qui fait en sorte que si je pars le matin en me disant « OK, aujourd'hui, concrètement, je vais faire ça, ouais. je vais arriver en fin de journée, je ne les aurais pas faites parce que, il arrive une demande de la direction que là, il faut que j'interrompe. » Donc, ça prend quelqu'un qui est capable de lâcher quelque chose et de revenir tout de suite puis rentrer dans son chose. Parce que s'il y a des personnes qui ont besoin de tranquillité, de ne pas être dérangées et que se remettre dans son travail qu'il est ouais. en train de faire, ça peut lui prendre une couple de minutes, c'est voyons ce que je t'ai rendu. Ouais. Si j'étais comme ça, j'arriverais pas. Parce que déjà, dans une journée, je peux pas dire, j'ai toujours des choses qui attendent, tu sais, faut être aussi capable de mettre des priorités. Donc, il faut que je dise, OK, ça c'est prioritaire, je fais ça, je mets ça de côté, je le ferai après. Donc, toujours être en train de faire une gestion de ce qu'il y a à faire en y allant en urgence. Puis en disant, OK, là, aujourd'hui, je laisse ça, puis je m'en viens faire ça que j'ai mis de côté. Donc, ça demande ses principales qualités-là. Donc, c'est un travail de multitâche. Multitâche, puis beaucoup de déranger, là, de dérangement. Qui font en sorte que moi, je suis une personne que ça m'alimente. Tu sais, faire tout le temps la même chose, puis m'asseoir, puis tout. Moi, j'ai besoin d'avoir... Il faut que ça bouge. Ça, c'est certain que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de... Tu sais, de toujours se remettre dans ce qu'on faisait, puis de revenir. Mais moi, ça m'allume, ça m'alimente. J'ai besoin de ça, ce challenge-là. Pour moi, c'est comme un emploi parfait pour moi, là, pour le type de personne que je suis. Parfait.
Ensuite, encore votre rôle est important dans une école. Ben, dans le fond, faire le budget, tout ça, ça revient pas mal. Ben, ouais, c'est ça. Disons qu'il y aurait peut-être des gens qui seraient un petit peu mal pris si j'étais pas là pour avoir toutes leurs choses, là. Mais c'est sûr que c'est important dans une école que quelqu'un s'occupe de, ne serait-ce que les achats. Les achats, là, on parle de, ça peut être le matériel d'éducation physique, le matériel de sciences, le matériel d'art plastique, les cahiers d'exercice, les fournitures scolaires qui sont utilisées ici, le papier de toilette, tout ce qui est produit d'entretien. Ouais. Donc, s'il n'y a pas ça, il y a des choses, puis les factures, ben il faut les payer, parce que les fournisseurs veulent être payés. Tous les voyages qu'il y a dans l'école, ben ils récoltent des sous, là, le financement, les dépôts. Ben il faut déposer ça, il faut faire le suivi de tout ça. Alors, on n'a comme pas le choix, là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des finances dans une école, là. C'est bon. Ensuite, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer durant votre travail? Les problèmes. Ben il y a toujours une solution, hein? Ouais. C'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est sûr qu'il y a des problèmes, il peut en arriver régulièrement, mais il faut se revirer de bord, puis trouver la solution. On parle par exemple d'un manque d'argent, bien, il faut trouver une solution à dire comment on peut, qu'est-ce qu'on pourrait acheter, ou comment on pourrait faire telle chose avec des moyens différents. Ou, je sais pas, quelqu'un a oublié de que ce soit réservé un autobus pour une activité, ben il faut agir vite. Donc, il faut partir du principe que à chaque problème, il faut trouver une solution. Ouais. Fait que ça, oui, ça peut arriver. Les gens viennent, puis là, ben il faut se revirer sur un discerne, puis trouver la solution, puis comment on va contrer ça, puis faire en sorte que ça fonctionne, là. C'est bon. Pas mal la dernière question. Est-ce que vous avez fait plusieurs écoles? Non. Moi, j'ai travaillé à peu près 15 ans au service de la paie dans les commissions scolaires. C'est-à-dire que j'étais responsable de payer les enseignants ou le personnel des écoles, là. C'est quand même un gros dossier, là, la paye, tu as les absences, tu as un paquet de choses, de déductions, tout ça. Moi, j'étais en charge de ça, la première, parce que j'ai eu deux fusions de commissions scolaires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les fusions de commissions scolaires. C'est qu'au départ, il y avait plusieurs commissions scolaires au Québec. Ils ont fait une première fusion. Moi, à l'époque, j'ai commencé, j'étais à Saint-Hyacinthe, dans une commission scolaire à la paie. Et il y a eu une première fusion où à ce moment-là, je me suis ramassée à la commission scolaire de l'Argile Bleue, qui était à Saint-Hilaire, qui regroupait Saint-Hilaire-Belle-Oeil. Et j'étais encore à la paie. Et il y a eu une troisième fusion, qui s'appelle maintenant la commission scolaire des Patriotes. Et à ce moment-là, ils m'ont envoyé ici à Polybel, et depuis ce temps-là, je suis ici. Puis moi, je suis comme un petit poisson dans l'eau avec cette tâche-là, parce que j'adore. Je reviendrai pas à la paie, là. Okay. Parce que j'adore ça, comme je vous expliquais, à cause du mouvement, de tout le temps, là, plein de dossiers, puis ça bouge, puis on change. C'est beaucoup plus comme ça ici qu'au niveau de la paie. Donc, vous diriez, mettons, que la différence majeure entre les deux, c'est le mouvement? Les tâches qui sont... mais c'est pas que j'aimais pas ça à la paie, mais ici, c'est comme une coche de plus, là. OK. Les tâches que j'ai à faire ici, je les adore. OK, ben ça conclut nos questions. Bon. Merci. Ça me fait plaisir.